Bonjour tout le monde. Alors ce matin, on se retrouve pour l'ouverture d'un échange que j'ai fait avec Agnès Mini qui a un Insta. J'essaierai de vous le mettre en commentaire, son Insta, comme ça vous allez pouvoir aller voir, qui aussi fait partie du groupe Poppies & Co. Donc il y a eu un échange de prévu dans le groupe et du coup je suis tombée avec elle, donc c'était ma binôme. Attendez, je regarde juste pour ouvrir correctement, pour pas faire bêtise. Voilà, donc moi la mienne est partie aussi lundi. Voilà, donc c'était une loaded enveloppe normalement qu'on devait faire. Alors, je sais pas si vous comprenez parce que j'ouvre en direct, en fait, j'ouvre avec vous quoi. Voilà, alors attention. Il y a plein de jolies choses. Alors, ah, des cartons là. Alors, je vais tout enlever. Alors, ça, je le garde. Elle a fait plein de choses. Hein. Attendez. J'enlève tout. Ah, et un petit nœud qui s'est défait. C'est pas grave, je le referai, ma belle. Voilà. Oups, ah, il s'est défait de là, je pense. D'où ça puisse défaire ce nœud. Ou d'en haut, peut-être. Bon, je vais voir avec elle, elle me dira. Elle verra la vidéo de toute façon. Alors, hop, 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 attendez, je remonte un petit peu. Voilà. Donc, c'est une qu'on peut poser. Voilà, qui fait porte-lettres. Du coup, ça m'en fera deux. Avec celle de Béadi qui est là. Oups, dans tout mon bazar. Du coup, j'en aurai deux, c'est top. Donc, dans les couleurs roses, toutes mignonnes. C'est très joli. Alors, à nos amis, de la dentelle. Un petit die cut. Je vais y arriver. Voilà. Alors, on découvre ici. On a des découpes. Attends, je vais sortir déjà tout. Oh là là, mon Dieu. Alors, je suis désolée, hein, je suis toujours aussi enrhumée. Alors, j'espère qu'elle va la recevoir aussi aujourd'hui. Ça serait trop bien, moi, si on recevait le même jour. Parce que j'étais en retard, donc j'avais dit d'attendre, moi, pour envoyer la sienne. Normal, hein. Il n'y a pas de raison. Ah, super. En fin de compte, elle m'a fait tout un petit montage avec une petite attache parisienne. Regardez. Sympa. Ça, j'ai plus qu'à la mettre sur une créa. Ah, attendez, il y en a une, deux et trois. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête ton idée, ma belle. Ah ouais, cool. Merci. Ensuite. Oh, c'est mignon ça. Plein de petits trucs, j'adore. Oh, ils sont mignons. Ça, je pense que c'est elle qui les a fait. Je pense, hein. Je sais pas, mais c'est trop mignon. Un petit pot comme ça. Et des petites fleurs. Oups. Avec un petit papillon. Compliment of the Caesar. Caesar. Je sais pas ce que ça veut dire. Faut que je regarde la traduction. Ah, j'aime beaucoup. C'est très mignon. Les petits comme ça, moi, j'ai pas. Je les ai en plus grand. Parce que là, ils sont vraiment petits, hein. Mais moi je l'ai en plus grand, mais un petit comme ça, c'est super sympa à mettre sur des petites créas. Voilà, et celle-là qui est toute jolie aussi, j'adore. Trop mimi. Alors, hop. Il faut que je me rachète des petites boîtes, c'est lourd. Hop, 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 ça déborde partout. Ensuite, oh, ça c'est des fleurs. Mais elle est remplie la truc. Hein. Attendez, c'est pas fini. Hein. Alors là, c'est des fleurs. Il faut juste les mettre en à les retravailler. Vous voyez, donc j'ai une rose comme ça, une blanche, une rose, une blanche, une avec le papier qu'elle a travaillé, qui est super joli ce papier. Voilà. Hop. Hop là.
Et encore. Vous voyez, il faut juste les mettre en forme. Donc, je verrai ça tranquillement à mes posettes. Ensuite, j'ai des capsules altérées. J'adore ces petits sacs aussi. Trop mignon. Alors, c'est des capsules qu'elle a fait elle-même. Voilà. Alors, on a Paris. Ici, on a avec une petite rose, une petite horloge. Paris. Et la tour Eiffel avec un papillon si... Je vois bien. C'est bien, puis derrière, il y a les marques. Oh, on est tout flou. J'essaye de me dépêcher parce qu'on est déjà à 6 minutes. Et j'ai pas fini. Alors ensuite, hop. Ici, on a un petit fanion. Alors, oh, c'est rigolo. Alors ça, c'est un petite pochette et dedans, on m'a mis des petites choses, des petites tags. Très joli ça. Ça, je vais le garder pour un truc, je sais pourquoi, mais je vais me le garder. Alors, hop. Super mignon. Donc ici, un mini courrier, trop mignon, petite enveloppe, une petite carte. Là, des petites cartes avec les petites enveloppes, super mignon. Là, pareil, petite pochette avec... Oup. Ça, moi, c'est des petites choses que je peux tout à fait me servir quand je fais mes boîtes explosion. Et comme là, je veux vous en faire une en démo, en tuto, je pense qu'on pourra mettre ces petites choses-là dedans ou voir. À voir, ça donne des idées. Alors, ici, on a plein de petites tasses. Donc, je vais vous en faire voir quelques-unes. Mais, oh, tu t'es embêtée, ma belle, hein? Découpe, c'est un truc qui prend tellement de temps que... Alors, on a des petites tasses. Regardez, en doré. Ici, elle m'a collé encore quelque chose dessus, donc c'est de la finesse totale. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment embêté. Hein. Regardez. Donc, j'en ai une grosse poignée. Super. Oh, excusez-moi, j'ai la voix qui repart. Hop. Ensuite. Alors, hop, ça, je vais le remettre là. Ensuite, on a la deuxième pochette. Oh, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. J'adore. Oh là là. Attendez, je découvre. Ah ouais, j'adore. C'est trop joli. Regardez. J'adore. Ça fait un livre. Oh, j'adore. Alors ça, je pense que c'est des dies, mais que je n'ai pas. Avec la petite fleur ici de chez Action. Ici pareil. Une petite perle. Ah, très joli. Petit cœur. En plus, c'est tout vieilli. Ah, j'aime beaucoup. J'adore. Je vais regarder pour les mettre sur mon tableau là. Parce que là, j'ai tout enlevé pour refaire. Hein. J'avais dit que je rechangerais régulièrement. Donc, je ressors ma petite boîte qui est toute là-haut. Alors,
Alors, singing of you. C'est trop mignon. Oh. Ah, attends. Ah, ça s'ouvre comme ça. Regardez. Oh, c'est trop mignon. Dans du craft avec de la dentelle, un papier déchiré, une petite fleur, un petit embellissement en 3D. Alors là, je pense que. Ah, c'est quoi? Tissu ou papier. Genre papier de riz. Ici, on a des petites perles en bois. Regardez quand on ouvre, c'est trop mignon. Et on a des superbes tags. Ils sont superbes ces tags. Oh, la chaise là. C'est vraiment une petite chose que j'aime beaucoup. Petit oiseau superbe. Oh, trop joli. Ah, merci beaucoup, ma belle. C'est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Ici, on peut encore mettre des petites choses ici dans les petits coins. C'est ça qui est génial quand on partage parce qu'on se dit, ah ouais, tiens, c'est pas bête ça comme idée et tout. C'est génial. Ensuite, attendez, c'est pas fini. Oh là là, attendez, il y a un truc qui est tombé, je crois. Ah non, non, attendez, 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 il y en a encore plein là. Attends, parce que je veux pas abîmer. Alors ça, si tu savais à quel point j'aime ces choses-là. Parce que j'ai toujours un truc à noter. Et c'est des petits post-it. Alors ça, c'est trop top. Je passe mon temps, moi, à noter des trucs. Donc j'ai quatre petits. Trop bien. J'en ai un comme ça. Alors ça, pour mettre sur les tableaux, c'est top. Ensuite, ici. Alors, j'ai plein de tags, plein de petits. Oh, des cœurs, des tags. Alors, j'ai des tags avec dentelle. Tags avec rose. Avec feuillage. Alors là, avec une découpe embossée. Super joli, regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, des tags. De la dentelle. C'est que j'aime pas la dentelle, c'est pour ça, hein, je le sais. J'adore les dentelles. Alors, un cœur avec papillon et fleurs. Une petite perle d'eau ici. Là, dans le même principe, mais mis différemment. Encore une petite perle. Un dice cut. Papillon, voilà. Eh ben, dis donc, ma belle. Tu m'as gâtée. Attendez, c'est pas fini. Alors. Popo, qu'est-ce que c'est joli, ça. Je sens que ça va être joli. Alors, hop. Oh, super. C'est un petit junk. Oh, super. C'est un truc que j'ai vraiment pas encore fait. Il faut que je le fasse. Il faut que je me mette dessus. Oh, j'adore. Ici, on a un tag. De la dentelle. Une superbe clé. En fin de compte, c'est ces papiers-là. Je sais pas, moi. Alors, est-ce que vous les achetez? Ou alors, je sais pas. Alors, les filtres à café, peut-être aussi, on peut faire. Regardez. Ici, on a. Je vais pas le dire. Du tissu transparent, je vais dire, parce que là, avec des paillettes. Ici, des fleurs. Oh là là, c'est génial. Ici, elle m'a fait de la couture en bas. Petite fleur de la dentelle. Petit tamponnage. J'espère que vous voyez bien. C'est super joli. J'adore. Regardez, un petit gâteau. Ici, avec des petites fleurs. Là, encore un tamponnage sur le côté. On apprend.
Excusez-moi. En plus, on peut mettre plein de choses hein, là-dedans. Oh! Donc là, on a l'autre côté du tissu. Et hop. Et là, c'est pareil, regardez, elle a cousu sa dentelle avec son image qu'elle est venue après recoller. Alors, je pense que ça fait, voilà, ça fait une petite pochette. Ça fait ici une petite pochette où on peut mettre quelque chose. Ah, merci beaucoup, ma belle, c'est super mignon. Bah, j'espère que moi, ce que j'ai fait va te plaire. Donc ça va vraiment falloir que je m'y mette, que je regarde comment faire un junk. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu le truc moi qui m'impressionne un peu moi les junks, je sais pas pourquoi. Alors ensuite, attendez, c'est pas fini encore. Une pochette dans une pochette. Oups là. Bah alors madame, tu tiens plus debout? Voilà, parce que si je charge tout le poids en avant, c'est normal que la pauvre, elle ne veut plus. Ah, super. Alors ensuite, j'ai... Alors, c'est fermé par une petite attache parisienne. Donc, ça m'embête de l'ouvrir pour l'instant. En fin de compte, ça fait ces petites fleurs-là qu'elle m'a fait. Avec un dégradé de couleur, du feuillage et une petite, un petit brads. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Donc, comme vous voyez, c'est fermé. J'ai pas trop envie de les ouvrir pour l'instant. Je préfère attendre. Waouh! Alors ici, on a un marque-page ou un tag, comme on veut. Sur du craft, avec du carton ondulé, des petites perles d'eau, de la dentelle, petites fleurs, grosses fleurs en papier, pardon. Ah, c'est cool! Hop! Ensuite... Oh là là, c'est joli aussi ça. Regardez. La fermeture du papier est top. On a un superbe nœud ici. Trop beau. Alors, comment je peux l'ouvrir pour pas abîmer? Parce que je voulais garder ça là. C'est une manie chez nous de tout garder. Hein. Alors, est-ce que c'est par là? Ouais. Fais doucement, promis. Alors, hop. Voilà. Hop là. Alors ça, j'adore. Oh, oh, oh. Regardez un peu, c'est des enveloppes qui est travaillées. Une fleur, un apron ancré. Et c'est pareil, excusez-moi, d'ice cut, un effet tamponnage. Oh, c'est trop joli. Oh là là. Ici, avec du papier déchiré. J'en ai récupéré plein, là, hier. Ma mère m'a donné plein de vieux livres. Bon, il y en a que je vais lire avant. Et après, je pourrais les découper. Oh, j'adore. C'est trop joli. Bah, tu vois, ça me servira dans le junk que je ferai, je pense. Je me servirai de tes enveloppes. Parce que j'ai vu qu'on pouvait en mettre dedans. Oh, c'est trop beau, j'adore. Avec un petit oiseau de la dentelle. Alors, tout ce que j'aimerais savoir, c'est le papier, en fait. Comment vous... Alors, ça a l'air d'être une enveloppe qu'elle a travaillé vieilli. Waouh, j'adore. Bah, merci beaucoup parce que... Waouh. Alors, ça, je vais le remettre après dedans, comme ça. Je ne l'abîme pas. Waouh. Alors ici, regardez, j'ai un super bobine. De la belle dentelle. Qui me servira, ça, c'est sûr. Regardez. Mercerie de Paris avec une petite fleur
petite fleur encore en dentelle. Regardez un peu de la dentelle écrue, beige écrue. Ah, j'adore. Puis grand comme ça, j'avais pas vu moi encore, tu vois. J'ai pas. C'est vrai qu'en ce moment, je vais pas sur Pinterest ni imprimer ni quoi que ce soit. Alors ensuite, là, j'ai tout regardé. Parce qu'il y en a beaucoup. Là, vous avez vu que j'oublie rien à vous faire voir surtout. Alors ici, j'ai deux petits moulages. Alors, je me dépêche parce qu'il reste quelques minutes. Regardez un peu. Voilà, il faudra juste que je le teinte. Oh, super. Ici, c'est plein de petits camés. Je vois qu'elle a vu ce que j'aimais. Alors, ça, ma belle. Alors. Bah, ça me plaît beaucoup. Oui, oui, franchement, ça me plaît beaucoup, ma belle. Je t'envoie un message, d'ailleurs, juste après la vidéo, là. Parce que, du coup, je viens de le recevoir. Donc, oui, oui, ça me plaît beaucoup. Par contre, j'aimerais juste savoir si le petit nœud... Parce que, tu vois, le petit nœud, il s'est décollé, mais c'est pas bien grave. Je vais le recoller. C'est pas méchant, voilà. S'il allait là, je pense qu'il devait aller là. Je pense, hein. Mais tu me diras. Faut pas que je le colle n'importe où. Et là, j'ai une création encore. Ah, c'est pas arrêté, oui. Alors, sur du craft, avec du papier ondulé, avec un papier un peu cartonné, qu'elle a travaillé, vieilli, déchiré. Alors, on a des brads, on a des petites fleurs en... d'une sorte de résine, hein, un peu métallique. Hein. Des petites fleurs en papier, c'est vraiment très joli, des fleurs en tissu, en dentelle, là on a encore de la dentelle, on a un superbe chipboard papillon, qui est magnifique ce papillon, vous voyez, c'est très joli ma belle. Je vais juste marquer derrière, parce que tu n'as pas marqué que c'est toi pour m'en rappeler, je mettrai une petite étiquette, je saurai que c'est toi. Et bien je te remercie beaucoup, 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 parce que tu m'as vraiment, vraiment gâtée. Donc, je pense que c'est là. Je vais rappuyer en attendant. Donc, dis-moi bien si c'est là. Mais je pense. Hein. Et super original aussi, ta petite carte. Sympa. Ça fait une petite bouteille de parfum. Super sympa. Donc, oui, oui, ça me plaît beaucoup. Merci, merci infiniment. J'espère que bah, moi, ça te plaira. Ce que je t'ai fait, j'espère que ça te plaira. Donc, de toute façon, tu sais ce que je t'ai dit. On se contacte. Ça, il faut que je les range correctement. Donc, sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous. Donc, bah, si vous voulez échanger, faire des choses comme ça, des défis, tout ça, allez sur la chaîne de Poppy & Co. Voilà, ambiance vraiment sympathique. Et puis, bah, y a plein de choses différentes. Hein. Franchement, dans ce groupe, il y a vraiment plein de choses différentes. Vous, toutes vos passions, vous pouvez les partager. C'est ça qui est bien. Il y a de la lecture, il y a de la couture, il y a de tout, de tout, de tout. Donc, n'hésitez pas. Et ma belle, je te fais plein de gros bisous. Merci beaucoup Agnès Mimi pour cet échange. Et bah, j'espère que le mien te plaira. Gros bisous ma belle. À bientôt.